Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Starship Trooper. On va se lancer sur une petite découverte et sur la campagne du nouveau DLC qui va sortir demain, le jour où cette première vidéo sortira. J'ai pu tester en avant-première une fois de plus, je remercie encore Slytherin pour cette opportunité. C'est donc le DLC Urban Onslaught qui rajoute notamment des combats urbains. On va jouer dans une ville et donc des nouvelles unités, des nouvelles capacités tactiques, notamment des drones et divers types de jetpacks, et également des nouveaux bugs. La campagne est bien sûr intégralement en français. J'ai pas le prix pour le moment, donc j'ai pas fait de petite fiche, mais il y aura une petite promotion avec un lien en description, donc quand le jeu sortira, puisqu'on peut pas précommander comme habituellement chez Slytherin. Donc le 18, il sera disponible et vous pourrez l'acquérir si vous avez envie de voir un petit peu. En attendant, suite à la fin de la série sur Terminator, on va se lancer sur cette campagne-là, donc sur Varuna. Les Arachnides ont pris d'assaut les rues de Mahanagar, l'une des principales villes de la Fédération. Carrément. Alors, protéger et servir, donc on est sur la première mission, donc comme d'hab, y a quand même déjà de quoi s'occuper un petit peu sur les DLC. La sergente Kayla Keys, une agente de police du secteur nord de Mahanagar à la carrière prometteuse, est appelée en tant que négociatrice lors d'un braquage de banque. Alors qu'elle tente de placer calmement le criminel en état d'arrestation, une menace inattendue interrompt l'intervention des arachnides. Alors... à chaque fois jusqu'ici, on a été du côté des gentils, mais il y avait des trucs qui partaient en couille. La dernière fois, on avait dû faire face à des scientifiques véreux qui essayaient de contrôler les insectes et qui avaient essayé de nous éliminer, puis de nous corrompre quand il s'était avéré qu'ils n'arrivaient pas à nous éliminer. Ici, c'était parti en sucette avec les industriels qui essayaient de tout faire pour sauver leur flotte. Ici, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Mais de base, on joue visiblement une fliquette. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, éliminer deux nids de reproduction à l'aide du drone bombardier de l'escouade de police. Ou alors, asséner le coup de grâce à deux cuirassés à l'aide de l'escouade anti-émeute. Ok, on va avoir vraiment des escouades de flics du coup. Alors, ça c'est les succès globaux de la campagne. Après, il y en aura toujours à chaque fois deux dans chaque mission qu'on ne saura qu'à la fin. Enfin, ou pendant si on les débloque éventuellement. C'est parti. Police forces on the planet Varuna are responding to a bank robbery in progress in the great city of Mahanagar. Would you like to know more? Planet Varuna, home to Mahanagar, a giant in the economic market and one of the most brightly shining cities in the Federation. Built on the Gonda River, the island city offers natural protection against the arachnid presence on the planet. While the odd stray arachnid may slip through the net, the real fight is against the criminals who seek to disturb the peaceful lives of our citizens. But justice is carried out by the likes of Officer Kayla Keys. The local police negotiator is en route to the crime scene. We now take you live to Mahanagar to follow the progress of this story. Ok. Du coup, non, c'est peut-être les succès de cette mission, je ne sais plus. Ça fait longtemps, ça fait bien un an que j'ai pas fait qu'on a fait le DLC précédent. On va voir. Alors, le jeu est toujours aussi cool. J'ai testé un peu les premières missions pour voir et faire un peu les réglages. Et le jeu est toujours aussi cool. Je l'aime toujours autant. Il est toujours aussi dur également. C'est parti. Mahanagar have nothing to fear thanks to the men and women of the MPD. They control troublesome situations like this one. A foolish robbery attempt now in the hands of the capable police negotiator. Easy on those trigger fingers, guys. There's a way out of this for everyone. I'm Sergeant Keith. I'm here to make sure no one gets hurt. I'm not holding anyone hostage. All I wanted was to cash out my war bonds. This damn bug war is taking forever, and they won't give me my money back. I've got rent to pay, a family to feed. I know life in Mahanagar can be a struggle,
But hurting innocents isn't going to solve any problems. I never meant to hurt anyone. I just need my money. Toujours ce monde con. Et puis il commence à tirer sur les insectes et il se fait descendre, quoi. Ah putain. What a mess. Clear the scene of civvies, now. Ok, alors, on a deux escouades. Voyons voir. On a grenade de désencerclement. Cette grenade déclenche une série d'explosifs. Donc ça, c'est notre escouade de police. On a la sergente qui a des grenades d'aveuglement. Alors, on va aller voir l'encyclopédie. Je crois qu'elle est quelque part... Ça doit être là. Voilà, c'est ça. Donc, les unités. Les nouvelles unités qu'on a... Escouade de police. Donc les escouades de police sont des petits drones de détention qui essayent de d'attirer l'attention des ennemis pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus. On voit que ce truc-là ici lui tire dessus. Par contre, les arachnides de plus grande taille s'en branlent et attaquent quand même les humains. Et est-ce que on a... Non, incinérateur en scaphandre, c'est le dernier. Et le bipède, bah, je vous le montrerai tout de suite, le bipède, on le débloquera un chouïa plus loin. Mais en gros, c'est un véhicule de commandement légèrement blindé qui est capable d'appeler des renforts et de booster la quantité de dégâts. En gros, c'est un genre de, d'officier un peu blindé dans un mini mecha. Et il a les gaz de désencerclement qui permettent de libérer un gaz toxique autour du bipède qui tue progressivement les arachnides, mais sans blesser les humains. Alors, du coup, comme d'hab, hein, on n'a pas trop le temps de buller. Ici, on a... la possibilité d'avoir des escouades rudimentaires, les escouades de palier 1 et des escouades de palier 2, mais pour l'instant, de toute façon, on n'a absolument que dalle. Donc on va progresser. Alors, il faut qu'on se mette juste ici. Ah putain, il y en a d'autres qui arrivent sur le flanc, là. Toi, grenade lait, une petite grenade de désencerclement pour les calmer. Voilà, parfait. Ici, on a un truc à détruire. Heureusement, on avait des mecs pour nous aider. On va monter juste en haut pour prendre la position. Go, toi viens là, toi viens ici. Alors comme d'hab, hein, il faut faire très attention aux angles de tir de nos unités. Il faut qu'elles aient une zone dégagée et un angle de tir dégagé avec aucun être humain qui ne gêne sur le chemin. Ok, là je pense qu'une petite grenade à fragmentation sera pertinente. Parfait. Montez là-haut, on va détruire ce truc. Ah oui, ça fait venir des renforts, forcément. Les drones sont bien utiles quand même pour les limiter, hein, pour les arrêter. Allez, détruisez-moi ce truc-là. Voilà, un de moins déjà, parfait. Ça c'est quoi? C'est rien, c'est du décor. On avance. Il y a des enfoirés, mais c'est du petit drone. Ok, d'accord. C'est la merde, là. Ils se font péter les fesses. Ok, on a réussi à sauver les civils, c'est déjà bien. Le reste du district doit être warned pour sortir des rues. Nous pouvons envoyer un broadcast d'urgence de la station de radio. Ok. Prenons la station de radio. Alors, on a moyen de mettre, de déployer un bipède, du coup. Toi, viens par là. Ici, non, c'est des civils, je vais pas leur balancer de la grenade. Toi, fonce. On balance une petite grenade là où il y a nos drones qui les coince. Ok, c'est bon. Ah putain, ils arrivent par derrière. Stanley. Merci. Y a quand même du monde là, on va rebalancer. Les guerriers en plus sont quand même assez énervés avec notre petite mitrailleuse de base là. Alors, on peut faire venir une escouade de police et un petit bipède. On va prendre, bien sûr. Ok. On a trois escouades de police et le bipède. Qu'est-ce qui se passe? On a des ruches à gérer. Ok, parfait. C'est pas fini.
Just breakout after breakout across all radio channels. Comme d'hab, hein, on n'a pas le temps de glander. Le bipède nous suit. Donc le bipède, il a une zone de tir assez élevée, mais il ne peut pas tirer trop proche. Alors attention là, sur cet angle mort. Là, ouais, il y a des galeries ici. On va essayer d'aller se replier par là. Vous venez par ici. Il faudrait qu'on se fasse ça, si possible. Toi, grimpe. Toi, tu vas couvrir les flancs. Ici, on grimpe. Toi, tu montes. Vas-y, balance-nous un truc par ici. Ouais, tire là-dessus, s'il te plaît. Là, on se fait défoncer. Merde. En arrière. La grenade. Ah, putain, ils sont trop proches. Toi, t'es capable de faire venir un truc. Une zone de largage. Merde. Ok, c'est un échec critique. En arrière. Ah, bon. C'est le décès. C'est le décès. C'est le décès. La panique. La panique qui fait que des fois ça part en sucette. Alors, est-ce que j'ai une sauvegarde peut-être? Tac, tac, tac. Chargez bombe, la dernière sauvegarde. Voilà. Voilà, faut que je me réhabitue aux différentes touches. Et puis celui-là, on peut pas mettre pause. Hein. Enfin, je crois, de mémoire. Je vais vérifier quand même dans les touches, mais il me semble que non. Ok, on commence là. Option. Commande. Sauvegarde. Tac, tac, tac. Allez au ping de notification. Prends une capture d'écran. Zoomer, dézoomer, réinitialiser la caméra, défilement, grille d'action des unités, les groupes de commandement, ok. Non, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas de pause. Hein. Alors, j'ai eu un doute parce que dans Terminator, il y avait un menu de ce genre-là, il y avait marqué tout en bas, ah, au fait, il y a un bouton pour mettre pause. Que j'avais raté au départ quand le jeu est sorti. Ok, on prend position les gars. Vous par là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas ici, toi tu vas là. Ici on va grenader ce truc. Là on va les shooter. On a même pas de zone où les faire venir quoi. Là on pourrait faire venir des renforts éventuellement. Vas-y, grenade. Toi aussi grenade. Putain, ils sont en train de crever. Merde, ils sont morts. Ah, c'est tendu ici avec juste ces renforts là. Alors du coup. Comment on fait déjà pour redemander des renforts? Demander des renforts, voilà. Du coup, ici, il faut qu'on fasse revenir un mec comme ça, vite. Toi, tu tiens ton flanc. Toi, viens par là. Ok, toi, c'est pareil. Renfort avant que ça disparaisse. Vous placez-vous par là. Et cette zone est hyper relou parce qu'en fait, elle est super... super accidenté, donc on a des zones de tir bien merdiques. Allez, il faut charger là. Rejoins-nous, toi. Là, ils sont pas encore niveau 3. Ok. Du coup, là, il y a un nid. Là, il y a la ruche. On pourrait envoyer du monde dans la ruche, du coup, là. Non, elle a. Il y a une galerie ici. Ok. Donc, déjà, il faut qu'on élimine ces nids là. Non, toi tu restes ici, c'est toi qui viens là, s'il te plaît. On tire sur ce truc, on le détruit, ça ferait déjà un peu de nid en moins. Et là on y va à 3. Non, du coup non, attendez, demi-tour les gars, parce que on a fait venir du monde là. Les a un petit peu excités. Alors à quoi ça ressemble? Il y a la galerie qui nous envoie des saloperies.
ready for duty. Officer is ready for duty. Please remain positioning. Come in, on the beat. Voilà, on balance donc une grenade là-dedans. Voilà, en arrière. Ah, les saloperies qui sont sorties ici. Et on a un tir assez dégagé là, c'est plutôt cool. On a débloqué le prochain palier là. Les escouades anti-aériennes, c'est pas tout de suite. Ok, la ruche est vide, donc on va envoyer, dès qu'on a nettoyé ça... Vas-y, toi tu vas me nettoyer cette ruche. Lui il est devenu élite, donc on peut lui mettre le gaz d'encerclement ou le drone sentinelle qui lâche des grenades sur les ennemis. Une fois détruit, le drone sera remplacé. Ouais, on va faire ça, c'est très bien ça. Ok, on a gagné un peu de soutien de guerre. On peut poser ça. Et on pourra déployer de l'escouade anti-émeute. Ok, les cuirassés, c'est parfait. Alors, on peut progresser par là, essayer de prendre ce truc. Déployer une escouade anti-émeute. Alors moi, je veux bien, mais il va me falloir me filer du blé pour ça. Il nous faut des provisions. Ok. On va se mettre juste en hauteur là, voir si on voit du monde. Ah oui, il y a le petit drone là, excellent, qui défend le beekeeper là. Alors les drones se font quand même un peu péter les fesses, faut utiliser des mots... Ouais, les stun. Hop, voilà. Après on peut les défoncer tranquillement. Allez, essayez de prendre cette hauteur là. Excellent, il n'y a personne. On se déploie, toi là, toi un peu en arrière, toi sur les flancs, toi tu viens là. Le poste radio on l'a pas pris là, viens là toi. Et là il y a un dépôt de provisions à choper. Ah non, c'est quand on aura capturé ce truc là, ok. J'espère que derrière ça va laisser debout. Alors du coup, on peut faire venir ça. Et ici, on pourra potentiellement faire revenir autre chose. Alors, les escouades anti-émeutes, qu'est-ce qu'elles font? Point de vie, armure, grosse portée. Elles sont faites pour combattre les cuirassés. Formation défensive. En serrant ses boucliers afin d'adopter une formation défensive, l'escouade devient temporairement immobile mais quasiment invincible. Excellent. Et elle peut lancer des tourelles sentinelles ou déployer des leurres. On peut nettoyer les ruches, ne peut pas envoyer de grenades, immuniser contre les dégâts toxiques, immuniser contre les dégâts des flaques de liquide corrosif des cuirassés. Ah ouais. Ok, donc ils sont plutôt spécialisés contre les unités lourdes, quoi. Ok, très bien. Ça me convient, on va en prendre une deuxième, parce que quelques lance-grenades à l'arrière, ça fait toujours plaisir. Par contre, ils sont lents. Donc vous serez en deux... Et notre escouade principale sera en... Alors on va avancer avec eux d'abord. La ruche est là, il y a un tunnel, Denis... La ruche est là, ok. Et un deuxième tunnel... Non, ça c'est les nids de reproduction qui s'apparaissent en rouge, ok, très bien. Ah, la ruche qui... Ah bah ok, la galerie est là. Parfait. Ok, on va devoir attendre qu'il nous envoie quelques trucs sur le coin de la tronche. Déployez-vous par là, vous. Vous par ici. Toi t'avances. Toi tu te pointes par là. Mais tu fais quoi toi? Putain, recule. Allez, débile des fois. Ok, cette galerie-là va être gérée. On va avancer. Alors pas trop loin parce qu'il y a des saloperies qui nous attaquent. Posez le beekeeper par là-bas. Vous, si vous pouviez vous déployer en hauteur par là. Ok, celle-là est gérée. Parfait. On va avancer. L'escouade anti-émeute. L'autre. On peut pas encore se déployer là. On va envoyer un petit stun des familles. Toi, tu te rapproches. On va progresser un peu pour faufiler toi.
Faut filer vous là. Hop. On en a oublié une là. Reviens parce que si t'es tout seul, tu vas rester un peu derrière mais. Ok, ça va, on a quand même plutôt bien la maîtrise du terrain. Donc on a bien nettoyé les galeries, celle-là va repopper. Vous, vous allez rester derrière pour éventuellement couvrir ce qui va vouloir nous arriver dessus d'ici. Alors, une escouade a tient le statut d'élite. Alors tu peux faire quoi? Drone bombardier ou talkie-walkie explosif? Ah, drone bombardier, ça me paraît tout à fait excellent. Ok, ils viennent plutôt par là. Ah putain, il y a un foutu cuirassé là-bas. Go. Go. Ok, franchement, ils ont fait le taf, c'est cool. Vous, faut vous faufiler parce que là, vous tirez sur personne. Allez, avant que ça nous pop dans le dos, là. Toi, t'es devenu d'élite. Oh putain, là, c'est un peu la teuf. Hein. Ok, les escouades anti-émeutes, faut avancer. Toi, pareil. Lâche-nous un petit truc par ici, là en arrière. Vous devant. De la grenade, nettoyez-moi cette saloperie. Vous vous servez à rien. Il faut avancer, il faut avancer. En avant, déployez-vous. Où est notre escouade avec drone bombardier? Putain, il y en a d'autres qui apparaissent derrière. Ok, en fait le drone il apparaît comme ça, d'accord, très bien. Comment ça fonctionne? Tu peux aller attaquer ce truc là du coup? En te faufilant. Ok, faut qu'on avance un peu, on va monter. Alors non, il y a du monde là. On va reculer avec vous. Vous progressez par là. Ah, le drone bombardier, il a bien fait le taf niveau nettoyage quand même. Toi en arrière. Où est notre... Ah putain, elle est tout là-bas, elle. Je l'ai raté. Rejoins-la, rejoins l'équipe. Progressez par là, vous. Est-ce qu'il y a du monde? Allez, en avant. Vous, vous allez vous placer là. Vous allez vous placer là. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens te mettre par là. Ok, là, c'est bon. Là, ça va repopper. Mais on peut envoyer du monde là-dedans. Peut-être un petit peu tôt, mais ça va passer. Allez, go. Avant que arrive l'un et que ça repasse à 1. Ok, ça a popé. Donc là c'est à 1, donc il faut qu'on se prépare à un éventuel assaut là-bas. Voilà. Ah putain, ils sont en train de souffrir. Ah putain, ils sont à 1-2. Ah la vache. Ah, il y a celui-là qui s'est réinitialisé aussi. Merde, c'est un échec. Ok, sors-nous un truc de rechargement, toi. On va mettre une escouade anti-émeute par ici, qui va se devoir se recharger direct. Tenez la zone. Go, allez, avant que ça revienne. Vous, allez vous mettre là-bas. Vous, mettez-vous ici. On y va avec 2 de puissance, ça devrait aller. Là. Il y a du temps. Ok. Good job, team. Now let's re... Ah, my head. Oh. What's happening to me? Was that the underground? It felt like I was there. And something else was with me. I need to check it out. Mm-hmm. Alors, on doit attendre l'entrée des égouts, c'est-à-dire ici. Et apparemment, ça va
être sportif. On va essayer de se déployer rapidement là où on a une belle un bel angle de tir. Alors du coup, notre soutien de guerre a popé, mais pas nos provisions, donc c'est pas très intéressant pour le moment. Ok, avancez-vous, vous restez un peu près derrière. Vous vous prenez la petite montée. Ok, ça va, c'était juste une petite percée de... C'était pas des nids qui sont apparus ou quoi que ce soit, c'est juste des petits drones qui ont popé. Ici, il y avait un truc là à aller chercher. On n'a pas été chercher, mais c'était fermé, donc on peut pas y faire grand chose. Donc je pense que ça doit être scripté pour qu'on n'y aille pas tout de suite. On ira peut-être après les égouts. Keep watch out here. I'm going in. Ok. Quelle bonne idée. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là. C'est couillu. On peut pas dire, c'est couillu. Plein d'invasions d'insectes, tu vas toute seule dans ton souterrain. Avec ton petit flingue. Et ton mégaphone. This is definitely what I saw. But it feels more familiar than that. Ah, on a récupéré 11 de ressources. C'est peut-être parce que nos mecs sont considérés comme plus là, du coup. Examinons. Ah, elle venait là quand elle était petite. Fort bien. Ah, il y a une porte ouverte là. Ok, j'ai plus la main. Oh, putain. How is that possible? This will need to be called in right away. Many more lives are in danger. Ça c'est la merde. Effectivement, le cerveau là. Federation Brass needs to know what's coming this way. Alors, on a perdu nos groupes. Tac, vas-y, reprenez la hauteur vous. Tous les autres en 1. Il y a des cris. J'aime pas quand il y a des cris. Effectivement, il y a des trucs qui nous arrivent dessus par derrière. Vas-y, Stanley. Les escouades entiers émeutes là. Il nous en faut une ici, une là. C'est bon, c'est géré. Ok, bon, vous allez rester derrière. On va envoyer machine devant. Bugs are headed for the police station. Get up those walls. Come in, dispatch. OK. Utilisez l'ascenseur. Tiger bug spotted on the move. Get turrets on the wall to slow them down. Signal good. Hop. Alors, récupérez toutes les caches de matériel militaire. C'est parti. En avant, en avant. Prends l'ascenseur, toi. Bye bye, il y a un dépôt de provisions. On a des techniciens qui savent faire des tourelles à canon automatique, c'est parti. Est-ce qu'on peut en demander d'autres? Non, alors les techniciens. Cette unité n'a pas été pensée pour le combat, mais est capable de construire des tourelles de défense et de réparer des unités mécaniques. Ok, elle a vraiment aucune capacité, quoi. Ne gagne pas d'expérience, peut réparer des véhicules et des d'autres trucs. Alors, toi, tu peux pas monter sur les murs. Ce truc-là, on l'a déjà, du coup. Non, ici, il faudrait qu'on aille. Toi, va là-bas. Ok, ils arrivent. On va donc nous faire une autre tourelle là-bas. Qu'est-ce que vous foutez? Ah, tu peux pas aller là. D'accord, très bien. Prends l'ascenseur. Tac tac tac, les tigres. Ouais.
Ça c'est... Ouais, j'ai un peu perdu la main là-dessus, là. Hop. On va l'attaquer ici. On va se mettre là. Là, on peut faire venir du monde, du coup. Comment ça se passe? Absolument pas. On a du matériel militaire, mais ça ne nous sert à rien. Go. We have a duty to protect the civvies that came here for safety. Alert. Bug attack inbound. Viens ici, toi. Là, on construit une tourelle. On a deux tourelles ici. Tourelle. Les tigres. Les tigres. Tu prends l'ascenseur. Il nous faudrait une tourelle par là-bas, là, si possible. Allez-y, prenez l'ascenseur. En avant, par là-bas, vous. Ah merde, on peut plus en mettre. Ok. Du coup... Eux, ils sont devenus élites. On va leur mettre un petit walkie-talkie, même si je suis pas convaincu qu'on s'en servira. Oula. Là, on est en galère. Montez par là-bas. Vous, un petit drone bombardier, si possible. Parfait, ça fait le taf. On a toutes les caches là de matériel militaire, j'ai l'impression. Venez vous mettre là, vous. Ah putain, il y a une saloperie là. Oh la vache! Ah ouais, d'accord. Ok, c'est la merde. Viens faire une tourelle là, toi. Vous, cramez-moi ça. Il nous reste qui, là? Il nous reste eux. Là, faut balancer une grenade. Ah, putain. Ah, ils se sont fait défoncer, ici. Descendez, vous. Ils ont pété ça, là. Faut qu'on s'arrache là. Arrachez-vous. Putain. Le technicien se sont fait péter les culs, du coup, on dirait. Ici, en avant. Préparez-vous à cramer ces cons. Vous reprenez l'ascenseur. Je suis assez d'accord, c'est un peu la merde là. Ah ouais, t'es couillu, toi. Ça retire tout le monde de l'île, carrément. Ok, on a réussi à mettre ça et ça, deux drones de nid de reproduction. Ah oui, je vais complètement oublier. Ok, donc c'est bien les petits succès de la mission. Et du coup... Est-ce qu'on a un petit live parfait? An outbreak of arachnids in the northern district of Mahanagar has prompted the mobile infantry to mount an armed response. On occasion, small pockets of bugs will manage to tunnel their way below the shallow marshlands. For the safety of citizens, a mobile infantry detachment remains permanently stationed in the city. These brave troopers have arrived at the local railway station to clear the streets by sunrise. Their service guarantees your safe morning commute. J'adore. Et oui, ne vous inquiétez pas, ils arrivent dans quelques heures. Vous serez tous morts, mais ce n'est pas grave. Les suivants auront de la place. Ok, on va arrêter du coup cet épisode-là pour la première mission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à profiter du lien en description si vous souhaitez acquérir le DLC ou le jeu de base. On va continuer la série, alors du coup quand le jeu sera sorti sur la même fréquence que Terminator, lundi, mercredi et vendredi à 17h. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.